un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à cette cérémonie et je voudrais à cette occasion vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux et vous adresser mes chaleureux remerciements pour avoir rehaussé le niveau de l'événement par votre présence. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère particulier car elle s'inscrit dans le cadre de la signature d'une série d'accords de financement suite à la pleine reprise de la riche et fructueuse coopération entre la Banque africaine de développement, notre institution commune et le gouvernement de transition du Mali. Madame la responsable pays, avant tout propos, il me plaît de vous rassurer que les plus hautes autorités de la transition malienne se réjouissent de cette bonne dynamique de reprise de la coopération qui ouvre de belles perspectives d'accompagnement des efforts du gouvernement de la transition par la BAD. Les hautes autorités du Mali réaffirment tous leurs engagements et disponibilité à poursuivre et à renforcer davantage les relations de coopération riches et dynamiques entre la Banque africaine avec la Banque africaine de développement. Madame la responsable pays, c'est avec un réel plaisir que je viens de signer avec vous ces 8 accords de financement répartis en dons et en prêts destinés au financement de 4 projets ou programmes à travers lesquels notre institution commune, la BAD, accorde au gouvernement du Mali un financement total de 61,232 millions d'unités de compte, soit environ 50,393 milliards de francs CFA. Ce geste traduit une fois encore la volonté du groupe de la BAD d'accompagner le Mali dans ses efforts de développement économique et social. Madame la responsable pays, par les présentes opérations, le groupe de la BAD marque davantage sa présence et son engagement sans faille aux côtés du gouvernement du Mali dans son combat quotidien d'amélioration des conditions de vie de ses populations. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il ne suffit pas de signer les accords de financement, mais de nous atteler à leur mise en œuvre diligente et avec la gouvernance requise. Aussi voudrais-je rappeler aux deux parties ici présentes que cette mise en œuvre diligente de ces opérations relève de la capacité de chaque partie à respecter scrupuleusement ses engagements définis dans les différents accords que nous venons de signer. Madame la responsable pays, avant de terminer mes propos, permettez-moi de vous réitérer très sincèrement, au nom du gouvernement de transition du Mali et à mon nom propre, nos vifs remerciements à vous et aux plus hautes autorités de la banque pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour accompagner le développement socio-économique du Mali. Mes remerciements et félicitations s'adressent également à vos collaborateurs ainsi qu'à toute l'équipe au niveau national qui ont contribué sur les présentes opérations. Je vous remercie de votre aimable attention.